Assalamu alaikum, Mazouf Laoun. Bonsoir. Cela fait aujourd'hui 58 ans que Abban Ramdan a été assassiné. 58 ans. Abban Ramdan, le théoricien de la révolution, le pur et le dur, était devenu trop gênant pour ceux qui avaient pris le contrôle de la révolution algérienne. Une révolution où s'était engouffré les ambitions, les égos surdimensionnés, le clanisme, le régionalisme, l'affairisme, les liquidations, les intimidations, la magouille. Abban refusait de tout son être de voir cette grande dynamique de libération de tout un peuple tomber entre les mains de chefaillants despotiques et opportunistes. Il voulait mettre de l'ordre dans ce qui semblait aller dans la direction d'une prise de pouvoir sur la révolution par des clans qui procédaient d'une sorte de partage débrisé. Abban voulait obtenir la primauté du politique sur le militaire. De l'intérieur, là où les gens tombaient par milliers face à l'armée française, de l'intérieur, sur l'extérieur, là où les gens s'offrait des soirées, des cérémonies en smoking et papillon. Il voulait la primauté de la révolution sur la magouille politicienne. Mal lui en prit. Il allait le payer de sa vie. Il était très mal tombé et n'avait visiblement pas appréhendé à sa juste nuisance la capacité mortifère et la détermination de ses groupes à prendre et à garder le pouvoir. Pendant que les autres ne cherchaient qu'à le neutraliser et à le confiner dans une sorte de résidence surveillée, ont-ils dit, jusqu'à nouvel ordre, un homme, un seul, décida de le faire assassiner. Abdel Hafid Bossof. Les autres, tous ceux qui n'avaient pas vraiment... Dont l'assassinat n'avait pas vraiment dérangé, n'ont pas branché. Ils ont tous été complices, d'une manière ou d'une autre. Du moins ceux qui ont été informés de la brutale liquidation. L'assassinat de Abban Ramdan fut en vérité l'acte fondateur du régime naissant qui allait prendre le pouvoir bien avant l'indépendance du pays et qui, à ce jour, a le contrôle de ce pays. Abban fut étranglé par deux tueurs, désignés par Abdel Hafid Bossof au Maroc, dans une petite ferme entre Tétouan et Tanger. Krim Belkacem et Mahmoud Cherif étaient présents. Ils diront plus tard qu'ils n'étaient pas d'accord, mais que Bossof ne leur a pas laissé le choix. Quelques mois plus tard, la nouvelle de cette liquidation commença à se répandre. Les maquisards étaient dans une douloureuse expectative. Ils ne savaient plus si c'était une rumeur ou une information avérée. Alors ceux qui avaient liquidé Abban leur jurèrent que Abban était mort en shahid, tombé en embuscade, face à l'armée française, qu'il combattit jusqu'à sa dernière cartouche. El Mujahid, le journal du FLN, titra en manchette, plusieurs mois après sa mort, « Abban Ramdan est mort au champ d'honneur ». Ce fut le second acte fondateur du régime, celui qui allait instituer le mensonge en valeur systémique. Cet assassinat de Abban Ramdan et celui de bien d'autres révolutionnaires avant et après l'indépendance allaient sceller le sort de l'Algérie. Il allait consacrer la mainmise de la force brutale, de l'absence de conscience, de l'utilisation du mensonge politique comme fondement essentiel du pouvoir algérien. Jusqu'à aujourd'hui, ces mêmes contre-valeurs continuent de dominer l'état d'esprit politique algérien. De ces assassinats politiques jusqu'au quatrième mandat de Bouteflika et de son utilisation comme vitrine institutionnelle par ceux qui détiennent le vrai pouvoir, c'est exactement
le même processus qui continue de se développer. Aujourd'hui. Al-Mujahed, 29 mai 1958. Abban Ramdan est mort au champ d'honneur. Al-Mujahed, 29 mai 1958. Abban Ramdan est mort au champ d'honneur. Al-Mujahed, 29 mai 1958. Abban Ramdan est mort au champ d'honneur. En guise de top 3 aujourd'hui, nous avons produit, nous avons présenté le même article de presse trois fois. C'était délibéré, c'était voulu. C'est ce fameux article d'El-Mujahed que vous voyez derrière moi, d'El-Mujahed, datant du 29 mai 1958, plusieurs mois après l'assassinat d'Abban Ramdan, qui nous apprend qu'Abban Ramdan est tombé au champ d'honneur face à l'armée française. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Montassar Rabetrone, par ordre alphabétique, donc journaliste, historien, Alger, et Sadr Sellem, historien, algérien à Paris. Montassar Rabetrone, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Alors, Montassar Rabetrone, essayez de nous faire un cours historique de cet assassinat. Bon, maintenant, c'est connu. Bon, c'est un guet-apens. La décision a été prise par cinq militaires, colonels, puisque maintenant il y a même un document qui est signé, à savoir Krim, Belkacem, Bentobal, Boussouf, Mahmoud Chérif et Oamran. Bon, pour Abban, déjà, il a été déjà attaqué, il a été assassiné, à vrai dire, politiquement, lors de la réunion du CNRA, qui s'est tenu au Caire le 27 août 1957. Dans cette réunion, la première réunion après le congrès de la Soumam, le rapport de Abban a été approuvé, bon, mais toutes les décisions ont été inversées. Donc il y a eu recul sur la question de politique sur le militaire et la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Bon, cette réunion du 27 a décidé à ce que tout le monde était kiff-kiff, donc il n'y a pas de qu'il soit en armes ou pas, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur, tout le monde. Et puis la composition de, si vous voulez, du gouvernement, ce qu'on appelle le CCE, il a été garni par les militaires et les compagnons de Abban, donc qui ont élaboré tout le travail pendant le congrès de la Soumam, ont été évincés, à savoir Belkhadda et Dahleb. Et depuis, c'est une guerre ouverte, sachant que Abban, c'est quelqu'un qui n'avait pas, qui avait un caractère assez c'est-à-dire, il s'exprime et il n'a pas la langue dans la poche. Et on dit aussi qu'il souffrait aussi du fameux ulcère qu'il portait, surtout qui s'est dégradé pendant les années de détention en prison. Et voilà jusqu'à qu'est-ce qu'il avait exigé au juste? Qu'est-ce qui avait décidé ces gens d'abord de le neutraliser, puis de le tuer? Qu'est-ce qui avait provoqué cette colère de ces révolutionnaires que vous nous citez, Krim Belkacem, Amran, Mahmoud Chérif, Bentobal, Boussouf? Qu'est-ce qui les avait décidé d'abord à le neutraliser, le mettre en résidence surveillée au Maroc en attendant de décider de son sort, puis, sur l'ordre personnel de Boussouf, de le tuer? Pourquoi? C'est-à-dire aujourd'hui, à travers un ensemble de témoignages et de fiches, on a la certitude. Il n'y a pas eu
à vrai dire, d'assignation à résidence. Ils l'ont emmené au Maroc, ils lui ont fait comprendre qu'il y avait des problèmes, qu'il devait intervenir, qu'ils avaient besoin de lui, l'homme politique, pour négocier avec le roi Mohamed V. Donc lui, il est tombé dans le piège, donc il a suivi. Alors tout était préparé pour le liquider, juste arriver Ça veut dire dès le à départ, ébrayer son pote. Montassar Abatron, ça veut dire dès le Oui. départ, tout a été décidé, ce n'était pas seulement Bossoff qui avait décidé de tuer, les cinq étaient d'accord pour le tuer? Les cinq étaient d'accord. Personnellement, j'ai discuté longuement avec Ben Tobal avant sa mort. Donc, il avait une double réponse. Il me disait, moi, dans le fond, moi, j'étais pour son emprisonnement, mais j'ai pris cette décision de le tuer. C'est pas un regret, mais il dit sur un plan personnel. D'ailleurs, je me suis dit, je me suis bagarré avec Krim après, mais tout le monde a cautionné. Le dernier livre, le dernier témoignage, qui est très important, d'un ancien militant qui était avec Boussouf, c'est sur la fabrication d'armes, Mohamed Boudaoud, dit Simansour, qui était un ancien militant du PPA, de Tawerga, et qui aimait Abban, tout en étant très proche de Boussouf. C'est quelqu'un qu'on a mis à côté, voie déserte, pour qu'il ne voie pas. Mais déjà, dans les souvenirs, je me souviens qu'il a vu un mouvement qui était louche. Il parlait il a été remplacé par Abdeljalil Maachou. Lui, parce que il allait intervenir parce qu'il connaissait Ben et Bouzouf lui faisait confiance. Donc on l'a mis à l'écart. Si Mohamed Boudaoud dit qu'en Tunisie, avant que ce fameux numéro d'El Moujahid du 29 mai 1958 ne paraisse, il a pris Krim pour le regarder dans le visage, il le connaissait, lui dit, ne vous dites pas que vous avez tué Abed. Alors Krim lui a répondu, on l'a tué, et ses amis se lèvent, je vais refaire ça. Un bouquet de. Ben Tobal m'avait dit qu'il c'était le seul qui s'est adressé à Abed. Il lui a demandé d'arrêter de faire. C'est ce qu'ils appellent le travail fractionnel parce qu'Abben bougeait beaucoup. Il menaçait de rentrer à l'intérieur du pays, de Tunisie. D'ailleurs, ce qui est dommage, on ne parle que d'Abben. Il y a d'autres. Belaïd Abdeslam m'a parlé d'un capitaine, Belhaj. Je crois que Belhaj, il a été au Maroc pour demander quand Abban n'est pas réapparu, où est Abban? Il a été égorgé. Et beaucoup d'autres sont allés à sa recherche. Il n'y avait pas qu'Abban. Abban avait le contact facile. Donc déjà, il gênait quand il était dans la base au Maroc et aussi en Tunisie. Donc c'est pas quelqu'un qui restait là et qui acceptait. Donc ils avaient peur de lui. Il a menacé carrément à plusieurs reprises. Ces gens, ils disaient, parce que là, en Tunisie, la guerre ne se passe pas. Justement, lui, il tenait toujours au principe qu'il avait défendu lors du congrès de la Soumam, à savoir que la guerre se passe en Algérie, que si le peuple algérien, tout se décide, le principal, c'est ici et pas ailleurs. Donc, si Abban rentrait au pays, donc ces gens, ils avaient peur. Ils avaient Restez peur avec parce que nous, entre pays. Montassar Betroun. Je reviens à vous dans un moment. Sadr Sillem, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, Sadr Sillem, Montassar Betroun nous dit, contrairement à ce qui se dit souvent, que seul Bossov avait décidé et que les autres étaient plus pour le garder au Maroc en attendant de trouver une solution. Montassar Betroun nous affirme que non, que tous étaient d'accord pour sa liquidation pure et simple. Là, c'est dû au fait que les Algériens restent à 90% tributaires du seul récit détaillé donné sur cette affaire, c'est celui d'Ivkourien. Or, Ivkourien a recueilli les confidences de Krim, qui a donné cette version. Ça donne une vérité politique, qui est la vérité de Krim, mais la vérité historique est tout autre. J'ai sous les yeux le document dont parle notre ami d'Alger, une réunion des cinq colonels, donc les 3B, Ouamran et Chérif Mahmoud, le 30 janvier 1958, où ils se sont réunis 3 jours
pour... 3 jours après l'assassinat. Non, pendant 3 jours, le 27, le 26, 27 et 29 janvier, oui. 58, c'est-à-dire oui. à peu près un mois. Oui. Parce qu'ils étaient harcelés de questions par Marie, Lamine de Barine et Farhat Abbas. Oui. Ils ont examiné 8 éventualités. Ils ont dit, on va proposer aux frères qui nous harcèlent de questions, ils doivent accepter le fait accompli, ça je lis, et prendre leur part de responsabilité dans la mesure prise. S'ils refusent, on va leur retirer leur passeport, les désarmer et les condamner pour trahison. Donc là, il y a Aban, et il y a Ouamran et Krim, qui sont les recruteurs d'Abaramran, et qui voulaient obliger Abbas, Mahdi et Lamine de Barine de dire qu'ils admettent l'exécution d'Aban et qu'ils sont aussi responsables, alors qu'ils n'étaient pas au courant. Donc la responsabilité de Krim et de Ouamran ne fait aucun doute. Et ça fragilise la version donnée par Krim lui-même à Yves Courrière. À Yves Courrière. D'accord. Et malheureusement, les Algériens, même les acteurs, restent un peu trop tributaires de la prose bien écrite. Et ce document, ce document du 30 janvier 58 dont vous nous parlez, c'est un procès-verbal de réunion ? C'est un procès-verbal. La réunion a été présidée successivement par les 3B et Ouamran, et Chif Mahmoud, depuis le début jusqu'à la fin, faisait le secrétaire. Parce que c'est celui qui était le mieux instruit, c'était un lieutenant de l'armée française. Mais c'est un document dont les historiens ne parlent pas, vraisemblablement. Très, très peu. Moi, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. D'accord. Mais c'est un document majeur. Ça veut dire aujourd'hui, il établit sans l'ombre d'un doute que Krim Belkacem, Chérif Mahmoud, Ouamran Bentobal étaient d'accord de l'assassinat, que ce n'était pas le seul Bossov qui l'avait décidé. Non. Ben, ce document prouve le contraire. D'accord. Krim Belkacem, quand il a rencontré en 67, 8... c'était un discours unique. Il n'y avait pas de... Boumediene avait répondu par un discours en traitant de... en accusant d'être un traître. Les gens qui ont fait des révélations à Courrières, mais il n'y a pas eu de contre-discours depuis, en dehors de... jusqu'à ce que Harbi écrive son livre. Et les manuscrits... Les témoignages en temps réel de Malik Benabi étaient restés à l'état de manuscrit avec interdiction de les publier. Donc on avait une chape de plomb concernant notre histoire, c'est ce qui a ouvert un boulevard devant des prosateurs comme Courrières, qui était littéraire plus qu'un historien. D'accord. Bon. Mais... alors maintenant, on a maintenant les témoignages d'autres qui ont interrogé Boussouf, c'est Mabrouk. Je tiens, par exemple, le témoignage de... J'ai recueilli le témoignage très important de Safi Boudissa, qui connaissait Boussouf depuis 51 ou 52. Ils étaient tous des chefs de daïra du MTLD. Et Boussouf lui a juré, qu'Allou, c'est ni Abdallah ni moi, Abdallah c'est Bentobal, nous ne voulions pas la solution finale pour Aban, c'est Krim qui a insisté. Retournement, c'est une affirmation réellement historique que vous nous dites là. C'est, tout le monde, jusque-là, a pensé que c'était Bossov et pas les autres. Aujourd'hui, nous apprenons que c'est les autres et pas Bossov. Bossov lui-même, qui faisait confiance à Safi Boudissa en tant qu'ancien de l'ordre, chef de Daïra, il lui a juré, c'est ni Abdallah ni moi. Nous voulions la mort d'Aben, on voulait le mettre en résidence surveillée. Il disait on voulait le confier à Fethi Boker, en attendant le cessez-le-feu. Mais ça reste une parole contre une autre. Il n'y a pas d'autres témoignages qui pourraient corroborer cette affirmation. On peut. Alors, les gens à qui Boussouf faisait confiance, ils répétaient la même chose. Il n'y a pas que Safi Boudissa. Mais l'essentiel, c'est pourquoi on en est arrivé à faire de Aban un cas. Là, c'est écrit en toutes lettres le cas Aban. Eh bien, justement, j'allais vous le demander. Au fait,
que dans les réunions, il était très violent. C'est quelqu'un qui comprenait au quart de tour, qui réagissait très vite, alors que les autres, c'était des gens habitués à la patience, de la clandestinité. Donc il y avait une différence de rythme intellectuel entre chez lui et chez les autres. Mais ça ne suffisait pas pour, même malgré les humiliations qu'il infligeait à Krim, il le traitait d'Asardoun, ce qui veut dire mulet en kabyle, devant les autres, alors que Krim est un novembriste, un décis. Krim avait une légitimité, c'est l'un des rares survivants parmi les six. Oui. Et malgré ça, il le traitait d'Asardoun. Mais je ne pense pas que ça suffise pour choisir la solution finale. Je pense que la toile de fond, c'est l'esprit dans lequel la charte de la Soumam a été publiée, c'était dans la perspective d'une négociation, une solution négociée. Il ne faut pas oublier qu'Abd al-Rahman, quand il a été contacté par Ouamran et Krim, dès sa libération en janvier 1955, ils ont été le voir à Irakifen, je crois, son village, et il leur a dit « Combien vous avez d'armes ?» Ils lui ont dit le vrai chiffre, il a dit « Vous êtes des fous. Vous êtes des fous, on ne peut pas faire la guerre avec si peu de matériel. » Donc lui, il a mis toute son intelligence politique, qui était très grande, au service de la recherche d'une solution négociée, politique. Mais après, jusqu'en 57, il était resté à... Tout le monde croyait à une solution négociée, parce que Guy Mollet avait fait campagne pour les élections législatives de janvier 56 pour la paix en Algérie, le congrès de la SFIO, tout le monde, même des combattants purs et durs, croyaient que Guy Mollet allait accepter une solution négociée. Mais dès l'histoire de Ben Bella, de l'avion, de la crise de Suez et les trois ou quatre bêtises commises en un temps record par Guy Mollet, les gens ont cessé de croire à une solution négociée. Mais les autres reprochaient à Abd al-Rahman de maintenir les contacts secrets. Lui, il les maintenait dans le secret, mais quelqu'un comme Boussouf, c'est comme un spécialiste de renseignement, et il était au courant de ces contacts. Et à mon avis, c'est la persistance de ces contacts qui a été à l'origine de la décision de se débarrasser de lui sans le tuer. Et puis, sur l'insistance de... Sadr Sellem, vous semblez nous dire que ce n'est pas le fait que Abd al-Rahman ait voulu que l'intérieur prime sur l'extérieur, que le politique prime sur le militaire, mais c'est plutôt, que ce serait plutôt ces contacts secrets de négociations secrètes qui auraient décidé de se débarrasser de lui. Krim et Abban et Ouamran étaient avec lui, à la Souma même. Ils ont accepté ces deux clauses, mais qui étaient devenues caduques à partir du moment où la direction politique était à l'extérieur, ces clauses n'avaient plus de sens. Que signifie la primauté de l'intérieur sur l'extérieur quand le politique est à l'extérieur? C'est pour ça que ça a été amendé au deuxième CCE du Caire, où seul le colonel Sadr a voté pour Abban, les autres l'ont mis en minorité. Mais je crois, même si les gens du maquis étaient conscients du caractère dépassé de ces clauses-là, ils disaient en arabe, « Prenan sallou bussour al-qadima ». C'est une allusion au Nasr al-Mansour du Coran. Ils disaient qu'à partir du moment où le CCE est sorti, ces clauses-là n'avaient plus aucun sens, primauté de l'intérieur et de l'extérieur. Et du politique. À mon avis, moi, si vous voulez, il suffit de voir la dureté, la force de la résistance des anti-soumamistes, dirigés par Massès, par Ben Bella d'abord, puis par Massès. Je pense que les anti-soumamistes n'auraient jamais été réduits si Bourguiba n'avait pas pris position pour le CCE. Et la question qui reste posée, pourquoi Bourguiba, qui ne connaissait pas les uns plus que les autres, pourquoi a-t-il pris position pour permettre à Ouamran d'étrangler de ses mains les partisans d'Abd al-Hayy. Et à votre avis, pourquoi ? Ah, écoutez, on ne va pas ouvrir des polémiques. Mais si, pourquoi pas, nous parlons d'histoire. Avis, moi,
Depuis le temps où j'ai écrit là-dessus, j'ai trouvé d'autres documents. Le procès verbal d'un entretien qu'a eu Bourguiba, qui n'était que président du Conseil du Temple de l'Autonomie Interne. En 56, il a rencontré des hommes politiques français et il leur a dit « Moi, je vous désignerai des interlocuteurs valables. » Parce que les Français, y compris Mendès France, disaient « On n'a pas avec qui négocier en Algérie, contrairement au Maroc et à la Tunisie, où il y avait un pouvoir local, le bey ou le sultan. » Eh bien, Bourguiba leur a dit « Comptez sur moi, moi je vous trouverai des interlocuteurs valables. » Et une phrase comme celle-là est à souligner en rouge, ça ouvre des perspectives pour expliquer le parti pris de Bourguiba, qui a inversé le rapport de force. Alors que moi j'ai un rapport de 17 pages de Montauban à Baramzan de février 57, où il dit son impuissance à réduire les partisans de Massès, qui avait une armée, une police, et qui avait avec eux la direction de la Wilaya 2, la base de Soukharaj. Et c'est le parti pris de Bourguiba a permis de réduire cette opposition. Et évidemment, les détracteurs d'Aban vont encore plus loin. Ils ont d'autres récits que je ne peux pas répéter par respect. L'historien doit rester dans la neutralité. À mon avis, si vous voulez, le fait qu'on provoque une polémique pour rien du tout sur le livre de Ali Kafi, qui n'a fait que reproduire ce que Sy Salah a dit. Sy Salah, au retour de Tunis en compagnie de la caravane de mulets, la conduite par Ali Kafi, il leur a répété ce que Ouamran lui a dit. Il lui a dit, il est dans l'intérêt de l'Algérie, nous avons dû éliminer Abd Rahman parce qu'il était en train de négocier. Restez avec nous, Sadr Sillam. Nous allons demander l'avis de Montassar Abatron sur ce point en particulier. Montassar, qu'est-ce que vous pensez de cette thèse que Abarandan aurait été plutôt liquidé à cause de ses pourparlers secrets, de ses négociations secrètes qu'il avait maintenues tout seul, quasiment, et cette thèse qui dit que non, qu'il aurait été assassiné parce qu'il exigeait que l'intérieur prime sur l'extérieur et que le politique prime sur le militaire. La question de la primauté du politique sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur, elle a été tranchée déjà, comme je l'ai dit, dans la réunion du CNRA du 27 août 57. Déjà, Ben a été mis en minorité. Parce que dans le CCU d'avant, les militaires n'étaient pas nombreux, les Tawabé ne faisaient pas partie du CCE. Et puis il avait la folie quand même de Dahleb et de Ben Khadda qui ont été mis en dehors du CCE. Ce que développe M. Sallam, il y a même, on parle de contact, de lettres. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai lu dans une postface écrite par Sadr Sallam, justement, dans un livre, si je me souviens bien, les archives, les négociations d'Evian dans les archives de la diplomatie française, on parle de lettres adressées par Ben Ramdan au ministre de la guerre, même pas un ministre civil, et qui serait tombé dans les mains de Bourguiba. Mais je pense que le fait que personne n'a pu, ils l'ont tué, mais personne n'a pu l'accuser. Ils étaient obligés de maquiller tout ça par le fameux article du Moujahed, que Ben Ramdan est tombé au champ d'honneur, il est rentré dans le Constantinois, etc. Prouve que, c'est-à-dire, c'est pas des arguments solides. Quand on prend les autres témoignages, par exemple, si on prend Bebjaoui, Krim lui a dit carrément que Ben faisait du travail fractionnel et tentait de dresser aussi bien les maquisards que les militants contre les autres membres du CCE. Bon, il lui dit aussi que plusieurs démarches furent faites auprès de lui pour le convaincre de modifier son attitude en vain. Il constate que Ben, loin de ce mot de vie, persiste, etc. On sait que Ben ne s'est pas tué.
Il l'a menacé, il a dit qu'il allait les dénoncer, dénoncer leur pratique. Ce qu'a dit Slem est effectivement vrai, parce qu'avant Abban, il y a d'autres qui ont été, je dirais, assassinés dans des procès, dans des parodies de justice. Et c'était des grands militants tels que Abbas el-Gharour. Et aussi, là, l'intervention de, les interférences, si j'en veux dire, si je puis dire, de Bourguiba, de Mohamed V, et de même de Nasser. Parce que tout ça, des fois, c'est des exécutions qui c'est-à-dire qui sont à la solde d'une tendance ou une autre. On sait que comme il avait dit sur, quand même on a massacré des gens de l'Ores, et Abban était aussi pour leur, avec Ben Bella, parce que c'est des gens qui étaient avec Benius qui était opposant à Ben Bella. Et je peux dire même que la révolution, ils sont allés jusqu'à livrer des militants youssefistes qui ont refusé de déposer des armes en 56 quand la Tunisie a eu son autonomie, en disant que non, il n'y a pas d'indépendance, on va se battre pour libérer c'est l'Algérie, l'Afrique du Nord. Eh ben, ces gens ont été arrêtés par le FLN, par Ouamran, je présume que Abban aussi, ils ont été livrés à Bourguiba qui les a pendus. Donc, c'est-à-dire l'histoire n'est pas, un roman de rose, mais c'est des réalités cruelles. C'est en effet très dur. Alger, hein. Avant d'aller en Tunisie, ouais. Il y a eu, par exemple, il y a toujours des zones d'ombre sur la liquidation des messalistes, ouais. Des syndicalistes. Après, le FLN n'était pas si propre. C'est-à-dire l'assassinat politique, c'était déjà, Ben il a usé, il a aussi assassiné un grand militant, Saïd Zahiri, à Alger. Et puis, il a subi, si on veut, un sort qu'il a déjà accepté pour d'autres. Et je dirais même la même chose, c'est pas pour rien que Karim Belkacem est mort. Je déplore, je condamne l'assassinat. Mais bon, ces gens ont déjà pratiqué, usé de ces pratiques. Et c'est un engrenage, c'est comme ça dans toutes les révolutions, quand on lance une façon de faire, donc on n'est pas épargné. Que pensez-vous de ce document? Il est aussi victime de méthodes qu'il a instaurées. Que pensez-vous de ce document dont vient de nous parler Slem, un document quasiment historique, des 5 colonels donc, qui étaient d'accord pour l'assassinat de la liquidation d'Abban Ramdan, de son assassinat, c'est bien le mot, et qui semble avoir voulu emporter l'adhésion de tout le monde, ce qui prouve, selon Sadr Slem, qu'ils étaient d'accord. Et que, en plus, selon certains témoignages, non seulement ils étaient d'accord, mais que c'était eux qui étaient plus d'accord que Bossouf, à qui on impute, à lui seul, la volonté de se débarrasser de Abban Ramdan, contrairement à l'avis des autres. Jusque-là, c'est ce que nous pensions tous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce document du 30 janvier 1958, un procès verbal. Il a été publié dans un livre, mais qui a été trop commenté par Belaïd Abban. Le dernier livre de Boudaoud, il nous donne des précisions sur la visite de Abban au Maroc, contrairement à ce que dit, par exemple, Boualem Khalfa Amri, qui se dit biographe de Abban. Il dit que lorsque Abban est parti au Maroc, donc il a vu là la fabrique, il a rencontré Mansour Boudaoud, il était très bien accueilli, même dans un des rassemblements, il était tout fier, il lui posait des questions. Donc il n'y avait pas cette animosité décrite dont, par exemple, ce qu'a écrit Khalfa Mamri. Si on suit justement ce livre, on dit que voilà, c'est Boussouf, parce que depuis, il est jaloux, il est parti, donc toute cette histoire, c'est des sornettes. Mais ça m'étonne que Boussouf soit le dernier. Il a la même responsabilité que les autres dans l'assassinat. Et il l'a fait parce que c'est ses hommes qui l'ont exécuté. Je crois que l'un d'eux est toujours vivant, mais ça m'étonne que les exécutants savent à qui ils avaient affaire. On dit même que l'un des exécutants
C'est-à-dire il est devenu fou après. Mais quand on leur a présenté que c'est un traître, justement, etc. Donc, c'est pas les exécutants, c'est les décideurs, c'est les commanditaires, et c'est quand les commanditaires, vous les avez cités. Ces deux personnes qui avaient tué de leur main Abba Ramadan, elles sont connues? Ben oui, il y a même quelqu'un qui est toujours vivant, mais bon, c'est des exécutants, ils ne savaient pas. Oui, mais est-ce que la personne qui est encore vivante, est-ce qu'elle n'a pas apporté des témoignages, éventuellement? Non, pas, franchement non, mais peut-être qu'elle va le faire. Ben, pourquoi vous, journalistes et historiens, n'essayez pas de le contacter pour essayer de le faire parler, qu'on sache au moins? Il y a cette approche, elle est en voie, mais on attend qu'il se décide, parce qu'il y a des questions de commencer de famille, etc. C'est un monsieur quand même qui a eu une carrière, qui est maintenant retraité, qui a été formé, qui a été dans l'armée, et bon. Très bien, ben, j'espère que vous nous en direz plus, c'est très intéressant. Jeune, il a été monté, vous savez que le système justement de Boussouf, d'ailleurs Boudaoud n'est pas tombé dans ses profils parce qu'il a gardé, d'ailleurs il est fier d'avoir été à l'école du PPA et de l'OS. Il me dit que le système Boussouf, qu'il aime bien, il a formé des gens, il les a formés en automate, en fin de compte c'était pas ce qu'on appelle l'école des cadres, ne formait pas des militants. Qui avait des limites, mais elle formait des gens qui exécutaient, qui étaient disciplinés, donc des automates, voire des assassins. Mais ceux qui ont pris le pouvoir, qui proviennent presque tous de ce Malg, comme Ould Kabliya, qui a récemment attaqué Belaïd, qui a attaqué Abba Ramadan, pardon, qui a presque, pas presque, qui a justifié son assassinat comme étant presque naturel, nécessaire, indispensable. Les gens du Malg qui ont donné naissance au DRS, dont on connaît très bien le profil, plus que des automates, on sait ce qu'ils ont fait. Ben, ils sont partagés. D'ailleurs, maintenant, on doit revoir certaines choses. On dit toujours que l'AMP, c'est le prolongement de l'ANN. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Restez avec nous. Le DRS et la sécurité militaire, c'est un prolongement du Malg. C'est aussi pas si évident que ça. Restez avec nous, Montassara Betron. Sadr Selam, un commentaire sur ce qui vient d'être dit? Je suis assez d'accord, sauf que j'ai des témoignages qui révèlent l'existence de frictions entre Abba Ramadan et Boussouf dès avril 57. Parce que vous savez que Bakhada et Krim sont partis vers l'est à Tunis, quand le CCE a quitté Alger, et Abban et Dahlem sont partis au Maroc. Alors ils sont arrivés en avril. Et Abban, quand il a visité l'Araïch, comme disent les Français, le siège de la résistance algérienne, qui était avant le Moudjahid, il a trouvé un des rédacteurs, qui vit toujours, qui a même exercé par la suite des responsabilités, qui avait les mains ligotées, il était condamné par Boussouf, qui avait enquêté sur lui, et Abba Ramadan s'est permis de le libérer, de lui délier les mains. C'était le premier clash avec Boussouf. Et je ne citerai pas ce monsieur qui est devenu un des chantres des éradicateurs par la suite. Il a oublié que lui-même a échappé à la mort, mais il a béni les déportations, les camps, etc. par la suite. Ensuite, Abban était un centralisateur, un jacobiniste. Il était formé à l'école jacobine française. À Alger, si vous voulez, moi j'ai beaucoup d'admiration pour la période 55-57 à Alger, où Abban a fait vraiment de la politique. C'était un grand politique. Ça mérite un livre. Il manque un livre pour décrire ce qu'a été l'activité de Abban et son groupe qui sont devenus le CCE pendant ces 2 ans et demi. Mais il faut reconnaître qu'il a commis, il y a des erreurs très graves qui sont
répercutée sous forme de crise sanglante, par exemple la crise de la Wilaya 6 de mai-juin 57. Le fait que le CCE impose quelqu'un qui était connu de Amran et de Krim, c'est Ali Mellah, appelé Sichrif, qui était un taleb, un militant du PPA, mais qui parlait avec un accent très caractérisé chez les gens du Sud qui auraient pu avoir un chef issu de leur rang. Et cette nomination a créé la situation qui s'est terminée par l'assassinat de Sichrif et de ses proches. Et seul la Wilaya 4 a été sommée d'intervenir pour mettre de l'ordre dans cette première grande crise dont on parle très peu. Et c'est Mohamed, le colonel de la Wilaya 4, qui, dans sa sagesse, a proposé Cheikh Taïb al-Jourlali, qui était capitaine-chef de la zone 2 de la Wilaya 4, parce qu'il avait le même accent, la même formation coranique que les gens du Sud. Et si Mohamed a mis sa démission sur la balance quand le CCE a refusé la candidature de Cheikh Taïb al-Jourlali. Donc si Mohamed, qui n'a jamais quitté l'Algérie, qui était issu du peuple, etc., il avait un bon sens qui a manqué au CCE dans ses nominations après la Souma. La deuxième erreur, c'est le fait d'avoir négligé quelqu'un dont on parle très peu, qui s'appelle Sizian, Achour Sizian, qui faisait partie de l'entourage de Bombouleïk. Parce qu'une partie de la future Wilaya 6, qui était zone 6 à l'époque, dépendait des ORES. Et Achour Sizian a participé à la réunion qui a coûté la vie à Semoussa Bombouleïk en mars 56. Eh bien, Achour Sizian était contre, il a quitté les messalistes, il était contre Bellounis, il n'avait confiance qu'en Bombouleïk. Mais après la mort de Bombouleïk, il est resté en électron libre. Si le CCE avait eu l'intelligence de le nommer même chef de zone, la zone de Tchelfa, jusqu'à la Gouate, où il est mort, à la tête d'un Mati libre, je pense que la situation aurait été meilleure pour toute la LN. Donc ce genre de nomination où on préfère les gens qu'on connaît, on les préfère aux gens ici du CRU, ça a coûté cher à la cohésion et en homme de la LN qui était très économe de vies humaines à l'époque. Ensuite, quand il est sorti, sa première rencontre avec Nasser d'Abba Ramadan, ça a été un clash. Il ne faut pas oublier que la délégation extérieure était portée à bout de bras par Nasser, qui a ordonné à tous les attachés militaires des ambassades d'Égypte dans le monde de se mettre au service de l'ALN pour les fournitures d'armes, les passeports, etc. Et Abba Ramadan a créé un petit conflit avec Nasser lors de leur première rencontre quand il lui a dit « Nous ne croyons pas à l'unité arabe ». Même s'il n'y croyait pas pour des raisons tactiques, il aurait dû faire semblant. Donc Abba Ramadan, c'était ça. Les gens qui étaient habitués au bon contact avec Nasser, y compris Karim Bakassem, qui était plus diplomate que lui, ils étaient indisposés par ce genre de sortie. Mais encore une fois, ça ne justifie pas la liquidation physique. Mais c'est pour dire comment la multiplication d'un autoritarisme, c'était une tête politique vraiment impressionnante, mais ce n'était pas un démocrate. Mais Sadr Sillam, envoyé à propos de Mahsas, il dit qu'il mérite 12 balles dans la peau. Sadr Sillam, c'est vrai que c'est très complexe. Pour la liquidation physique, c'est le grand-père des éradicateurs des gens viriles. C'est vrai que c'est très complexe, peut-être. Que ce n'est pas facile, que ce n'est pas aisé de juger de tels événements en simplifiant. Mais que pensez-vous de cette manchette, ce titre en manchette d'El Mujahed qui annonce aux Mujahedines que Abban Ramadan est tombé au champ d'honneur? Et que pensez-vous de cette même attitude qui a continué plusieurs années après l'indépendance, puisque la plupart des Algériens, la grande masse des Algériens, n'a jamais su, pendant les premières années de l'indépendance, que Abba Ramadan avait été assassiné par ses compagnons de lutte. Le crime s'est trouvé aggravé par le mensonge. C'est exactement ce qu'on reproche à la colonisation en mai 45 et le 17 octobre. C'est un crime contre l'humanité
peut-être même un génocide aggravé par des mensonges d'État. Et c'est exactement ce qui est reproché aux artisans de cette élimination, qui reste un crime, rappelez-le. Le fait de choisir la liquidation physique pour régler un différend politique, ça relève de la criminalité. Mais aggravé par un mensonge, ça a créé des précédents qui ont pesé lourd sur la vie politique à venir de l'Algérie indépendante. Mais le fait de maintenir le même mensonge, de continuer à mentir aux Algériens plusieurs années après l'indépendance, est-ce que cela ne veut pas dire que ces assassins, ceux qui ont tué Abd al-Rahman, tout ce régime qui est né de ce processus mortifère, qu'ils ont mauvaise conscience, qu'en fait c'était Abd al-Rahman qui avait raison, puisque non seulement il l'avait tué, mais qu'en plus il cachait sa liquidation au peuple algérien. Non, je ne crois pas qu'il y ait une continuité aussi directe. Il ne faut pas oublier que Boumediene appelait le mal général. Le premier opposant aux méthodes du mal, c'était Boumediene. Ce qu'on ne sait pas assez. Si vous voulez, dans ce genre de situation, on avait le souci de cacher la vérité aux combattants lambda pour ne pas le démoraliser. Dans les wilayats Laïlène, on faisait la même chose. Mais après l'indépendance, pourquoi continuer de mentir aux Algériens? Le Boumediene a toujours refusé que la vérité soit dite sur Abd al-Rahman. Parce qu'un pouvoir qui n'a pas suffisamment de légitimité a toujours peur de la vérité. Il refuse le débat, sauf s'il est téléguidé par des commissions du parti qui choisissent les communiqués, etc. C'est le fait d'avoir choisi le parti unique était déjà en soi une erreur qui a retardé l'échéance de la démocratisation, alors que quelqu'un comme Aït Ahmed, dont on a parlé il y a quelques jours, était pour la démocratie dès le début. Malik Benhabi aussi. Malik Benhabi a dit qu'il faut inviter même Messali et le Parti communiste à un congrès exceptionnel algérien. Après, on nous a dit que les Algériens ne sont pas encore prêts pour la démocratie. Les éradicateurs ont repris ces slogans par la suite, juste pour qu'une caste qui bénéficie toute seule des recettes pétrolières. Et puis on a trouvé des petits idéologues de la rédaction pour reprendre, en pleine démocratisation de l'Algérie, reprendre à leur compte des slogans qui infantilisent le peuple algérien en disant que eux, ils ont été à Paris, ils ont appris les langues et ils sont plus évolués que le peuple qui reste attardé, il ne mérite pas la démocratie. Et bien, le peuple, quand il a répondu à l'appel des six, qui aurait pu ne pas être entendu si le peuple n'était pas à mur, le peuple qui s'est jeté dans les rues d'Alger le 11 décembre, ce peuple-là, on nous dit qu'il n'est pas prêt pour la démocratie, et ce sont des apprentis dictateurs et leurs commissaires politiques qui continuent à nous servir ce genre de discours destiné à maintenir les richesses, le savoir, le pouvoir entre les mains d'une caste sélectionnée selon des critères du népotisme, du régionalisme et du clientélisme. Sadr Sellem, merci infiniment, merci beaucoup. Monsara Batron, pour conclure, en peu de mots. Moi, j'ai posé la question à Ben Tobal en 96 dans une interview. Je lui ai dit comment se fait-il que les trois, les militaires, qui faisaient. Tout le monde était vraiment marginalisé, et les vrais décideurs, c'était les 3B. Comment se fait-il qu'en 62, vous n'avez pas pris le pouvoir, et que Boumediene vous a... Alors Ben Tobal m'a répondu, je pense que c'est l'âme de Abd al-Rahman qui nous a poursuivis. Voilà l'importance de ce... Vous avez raison. Vous avez raison, jusqu'à aujourd'hui, on nous parle d'un pouvoir civil, le Hukm Madani, c'est faux. C'est toujours la primauté du militaire, c'est-à-dire de l'arme. La parole, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont d'accord ou prêts à la donner au peuple pour lui permettre de choisir. Peut-être je ferai une exception de Sidi Hussein Aït Ahmed, c'est pas parce qu'il est mort, parce qu'effectivement c'était le seul, quand ils ont essayé d'appliquer le régime nasserien en 62,
une société algérienne qui était pluraliste avant le 1er novembre, qui était avancée, et que qu'on lui a imposé le parti unique à la Nasser, et le seul qui s'est opposé justement au parti unique, c'était Aït Ahmed, qui avait refusé déjà dans la constituante à cautionner la dissolution d'abord du Parti communiste algérien, et puis on sait comment un homme comme Abben, malgré tout ce qu'on peut dire de lui, c'est vrai que peut-être dans la révolution, à la guerre, on peut pas être démocrate, c'est quand même une guerre ou une révolution, c'est une situation exceptionnelle. Mais c'était quelqu'un qui avait une formation, qui était un homme politique, qui connaissait les courants politiques existants. D'ailleurs, on dit qu'il allait adhérer à l'UDMA. Et en fin de compte... Ah, nous avons perdu Montassar. En tout cas, merci beaucoup à Montassar Abatron. Merci beaucoup à Sadiq Sellem. La révolution algérienne, comme tous les grands événements de l'histoire humaine, est une révolution, en plus d'être éminemment emblématique, porteuse de symboles, est très complexe. On ne peut pas simplifier et on ne peut pas rester dans ce carcan dans lequel nous a enfermé ce régime qui a volé les fruits de cette révolution, qui se l'est approprié à des fins égoïstes, parfois indicibles. Je crois que le moment est venu pour que la vérité soit sue et dite, sans complexe, mais sans simplification. Il n'en demeure pas moins qu'en ce jour de commémoration de l'assassinat de Abben Ramdan, cet homme d'une très grande envergure, j'allais dire romantique dans le cœur des Algériens, que les Algériens aiment beaucoup, même ceux qui ne le connaissent pas vraiment, mais peut-être instinctivement, ils ont senti qu'il est des leurs. Et que si lui était resté à la tête de cette révolution, elle n'aurait pas été détournée comme elle l'a été au profit d'une mafiocratie. Merci d'avoir suivi cette émission. Au plaisir de vous revoir. Salam alaikum.